famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cuisine by Noéline. Alors aujourd'hui la famille, je viens avec une recette, le mbodo. C'est un poisson dont je ne connais pas en français comment on appelle. Donc si vous connaissez le nom, n'hésitez surtout pas à m'écrire ça en commentaire. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors voici mon mbodo qui est là. Donc j'avais déjà lavé mon mbodo. Il faut laver le mbodo avec de l'eau tiède. Pas de l'eau chaude ni de l'eau froide. Lavez avec de l'eau tiède et après avoir lavé votre mbodo très très bien, vous allez enlever toutes les écailles. Vous enlevez les écailles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écailles sur ces poissons. Enlevez tous les écailles et après ça, vous coupez en petits morceaux. Quand vous allez couper en petits morceaux, comme vous voyez dans la vidéo comment j'ai coupé, et après vous allez mettre du sel. En mettant du sel, vous allez laisser quelques temps que le sel pénètre dans votre poisson, le mbodo. Et après cela, je vais passer à l'étape suivante et dont je vous dis à tout à l'heure. Alors là, je passe à l'étape suivante de faire ma sauce. En faisant la sauce, vous aurez besoin d'une grosse tomate, vous aurez besoin de 2 oignons, vous aurez besoin de 2 feuilles de laurier, vous aurez besoin de 3 piments, vous aurez besoin du muscade. Vous aurez besoin de bouillon. Le bouillon que vous allez utiliser, toute marque de bouillon que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Alors je mets le piment parce que le piment c'est bien dans le poisson. Comme on n'a pas mis du gingembre, on a mis le piment pour donner un bon goût. Et après là, je mélange bien ma sauce. Bien ma sauce, je mélange. Et là maintenant, je vais bien mélanger pour ne pas laisser que ça colle avec la marinade. Et puis je vais mettre de l'eau. Nous allons laisser que la sauce puisse cuire pendant quelques minutes. Parce que la sauce qui n'est pas bien cuite, je ne vous dis pas, c'est pas trop bon. Il faut vraiment laisser que la sauce puisse bien cuire. Très très bien cuire. Et après je vous laisse regarder la vidéo. On s'est dit à tout à l'heure. Voilà, maintenant vous allez écraser votre ail. Donc là, comme vous voyez dans la vidéo, ma mère est en train d'écraser l'ail. L'étape suivante, c'est de mettre maintenant le poisson dans la sauce. La sauce est déjà bien cuite. Maintenant, nous allons mettre le mbodo dans la marmite bien classée, comme vous voyez dans la vidéo. Donc, on classe très bien le poisson dans la marmite. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Il faut toujours avoir de main propre les filles, c'est très important pour l'hygiène. Donc une femme qui déjà fait la cuisine doit avoir tout le temps les mains propres, bien lavées. Alors là maintenant, ma mère va bien mélanger la sauce avec le poisson. Vous voyez comment elle est en train de faire, il faut faire ça. Donc bien mélanger, après nous allons laisser que ça puisse bien cuire. Et voilà, le mbodo est prêt. C'était là dans la vidéo ma mère qui vient de vous montrer cette recette. Alors n'hésitez surtout pas de m'écrire, continuez à me faire vos remarques parce que vos remarques vraiment me poussent à aller de l'avant. Ça me pousse vraiment à changer de choses. Et à tous ces gens qui me demandent que de vidéos en lingala, excusez-moi, mes vidéos vont être que en français. Donc continuez d'aimer, continuez de commenter, continuez de partager. Donc tous vos commentaires, ça me donne la force, donc ça m'aide à aller de l'avant
et aussi vos remarques, vraiment ça m'aide beaucoup. Continuez vraiment de me faire des remarques quand vous voyez des choses qui ne vont pas dans la vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était là votre Noéline, Cuisine by Noéline. Je vous dis de grands merci, de gros bisous. Partagez la famille, on est là pour vous. Bye bye.